qui est séparé tout simplement. C'est le seul appareil qui est capable de faire ça. Regardez, je le ferme mais plus lentement. Vous avez une encoche, elle est spécifique à l'appareil. Elle permet d'envelopper la pelure de la pomme de terre instantanément, la chair tombe devant vos yeux et la peau est séparée. Et ça, c'est génial, hein, vous avez vu. Hein. Alors si on veut faire également des carottes râpées, une barquette au supermarché, ça coûte à peu près 2 euros, 2,50 euros. Hein. Moi, ça me coûte 20 centimes. Avec deux carottes, je peux faire une salade pour une personne en quelques instants. Carottes au citron, céleri à la rémoulade, vous en mettez une, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre jusqu'à cinq. Hein. Et là, regardez, la peau et la racine restent dans la cheminée en petits morceaux et vous avez la chair qui tombe devant vos yeux, mais sans la pelure. Alors, vous n'avez plus qu'à préparer une bonne vinaigrette et vous le versez directement dessus. Vous avez les carottes râpées et épluchées. Ensuite, vous interchangez le tambour en quelques instants. Le tambour numéro 2, on l'appelle le tambour à julienne de légumes. Alors, celui-ci, on va l'utiliser pour des légumes en cuisson. Moi, j'aime faire ça, par exemple, à la plancha. On veut faire des légumes à la papillote, des jardinières, des soupes. On peut faire la courge, le butternut, c'est bientôt l'automne. Alors, c'est vrai que la courgette, c'est un légume qui est mou. Mais ici, on fait légumes plus durs. Le céleri rave, ça c'est dur à faire. Vous allez couper une part tout simplement comme ceci. Ça ne veut pas dire que le légume est dur, que je vais forcer plus. C'est le système de rotation qui tout simplement aspire le légume à l'intérieur. Vous mettez le poussoir pour écraser le tout. Hein. Et en quelques instants, regardez bien, on va tout simplement réaliser les juliennes en un clin d'œil. Alors dernière chose, j'ai terminé la démonstration. C'est le dernier tambour, c'est la mandoline. Ça c'est le tambour que tout le monde redoute. Hein, parce qu'une mandoline c'est bien. Mais si vous avez un moment d'inattention, qu'est-ce qui se passe? C'est la salade de doigts au menu. Hein. Moi, ma mandoline, elle a une particularité. C'est la seule mandoline qui reconnaît les doigts de mes clients. Bon, c'est vrai que c'est dur à croire. Hein. Je mets les doigts à l'intérieur en appuyant très fort. Il ne se passe rien. Vous le faites du sens inverse. Il ne se passe toujours rien, car les lames sont à l'intérieur. Vous cuisinez en sécurité. Pourtant, si on y met une carotte, regardez bien. En quelques instants seulement, carotte Vichy, carotte à la crème, gratin dauphinois, c'est que du bonheur d'utiliser cet appareil. Vous voulez faire également des crudités dans le camping-car en vacances, le concombre en un clin d'œil seulement, ou enfin, j'en aurai terminé, je vais vous dire le prix de l'appareil. Si vous aimez le chou c'est bon, mais c'est long à faire à la maison. Hein. On va tout simplement couper une petite part comme ceci, et on va faire le chou rouge, le chou blanc de la même manière, en un clin d'œil avec l'appareil. Et là, regardez, vous faites des bonnes salades en quelques instants, avec le pareil en quelques instants seulement. Alors le prix, je vais vous dire combien ça coûte. Ça fonctionne pour le fromage, si vous voulez faire également le gruyère râpé, hein, ou alors pour les gourmands. Y a-t-il des gens qui font la pâtisserie parmi nous? Bon, je repose ma question. Hein. Y a-t-il des gens qui mangent la pâtisserie? Ah, il y en a plus la deuxième fois. On va y mettre la petite râpe à l'intérieur. C'est le même appareil qu'on utilise, seulement la couleur qui change. Hein. On y met des noisettes, des amandes entières. Le spéculoos, je suis originaire du nord de la France. Hein. Là-bas, on fait des bons tiramisu avec le spéculoos. Le pain rassis qui traîne dans le placard, on peut l'utiliser pour une chapelure en quelques instants seulement. Vous mettez le pain rassis, vous mettez le poussoir et là, regardez bien. On va tout simplement humidifier par contre avant. J'ai oublié de le faire. Regardez, on humidifie la ventouse pour qu'elle adhère mieux. On fixe et là, c'est reparti pour un tour. Poudre d'amande, chocolat, noix de coco, graines de café. Rien ne lui résiste. L'entrée, le plat, le dessert, avec le même appareil. Pour le nettoyage, il faut que ça soit simple à nettoyer. Hein. Vous le mettez soit à la vaisselle ou un petit coup sous l'eau du robinet. C'est nettoyé en quelques instants. Alors le prix, accrochez-vous à votre voisin. Hein. Parce que quand j'annonce le prix, hein, tout le monde part. Mais avec un appareil, bien sûr. Hein. Alors aujourd'hui, c'est la nouveauté. Il est vendu également en ce moment sur Téléachat, M6 Boutique. Hein, mais pas au prix qu'on va vous proposer ce matin. Pour les 5 premières personnes aujourd'hui, je vais faire une offre exceptionnelle. Vous avez du rouge ou vous avez du vert? Bon, le rouge donne un meilleur goût au gratin. Hein. Attention, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Dans la boîte, on y retrouve le kit avec les 3 râpes. Un mode d'emploi tout est expliqué. 39 euros, c'est le prix qui est vendu par Téléachat. Pas chez moi. 5 personnes qui me lèvent la main, remettez-moi moitié prix. 20 euros l'appareil et je vous offre en cadeau. Tiens, 5 personnes qui vont me présenter 20 euros aujourd'hui. Je vous offrirai également cet appareil en plus, si vous connaissez. Regardez, vous allez prendre une pomme de terre tout simplement. Ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. On va piquer le légume et on va visser délicatement. Faites chauffer la friteuse à 240 degrés. Vous mettez le doigt à l'intérieur et vous allez tourner tout simplement. En quelques instants, on va réaliser le beignet de pommes de terre.
Les petits-enfants en raffolent à la maison. Hein. Vous le mettez directement dans le panier à frites et le tour est joué. Allez, les 5 premières personnes, du rouge ou du vert, vous me levez la main, je vous offre l'appareil en cadeau. Allez, je sers monsieur, madame également, 20 euros le kit. Alors vous me dites, j'ai le rouge ou le vert, vous pouvez choisir la couleur aujourd'hui. Allez, un rouge pour monsieur, et je vous offre l'appareil en cadeau. S'il vous plaît, merci à vous. Tenez, si vous voulez payer en carte, vous pouvez payer en carte. Hein. 5 euros seulement les polaires. Malheureusement, je ne sais pas planter un clou. Oh, meilleur. Ça, c'est. Mélano. Allez. C'est de là. Bixi et Bilbo. Il m'a fait partir à moi, il y avait plus de place ce matin. Allez-y là. Dévalisez-moi. Tous ces gros ? Bien sûr, madame. Et on n'a pas de gueule. Vous avez laissé une chaudière, madame. Moi, je suis vierge depuis 90 ans. Ah oui, votre fils ? Ouais. Oh, mais c'est 15 septembre. Alors, 15. Merci. La gamme a bougé, je pense.